Bonjour, je m'appelle Aurore Pellissier, je suis enseignante-chercheure en économie et je travaille dans le domaine plutôt de l'économie de la santé à l'Université de Bourgogne au sein du laboratoire d'économie de Dijon et je suis intégrée aussi au sein de la Fédération hospitalo-universitaire Translad dirigée par le professeur Laurence-Olivier Fèvre à Dijon. Alors quand on parle de données, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux données chiffrées, mais il y a un grand nombre de données que l'on peut mobiliser en tant que chercheur, notamment en tant que chercheur en sciences humaines et sociales. Chaque type de données va venir nous apporter un éclairage différent sur une situation bien particulière. Et c'est en les combinant finalement qu'on peut exploiter au mieux cette richesse, c'est-à-dire en combinant à la fois des données de dossiers patients, mais aussi d'entretiens, en combinant peut-être des données issues de questionnaires et puis des récits de vie. C'est ce qui nous permet vraiment d'approcher un objet d'étude d'une façon aussi multidimensionnelle et de pouvoir révéler ce qui est aujourd'hui peut-être invisible. Il est visible aux yeux du patient, mais nous, effectivement, en tant que chercheurs en SHS, notre idée, c'est d'essayer de faire ressortir finalement les situations particulières peut-être, ou justement des situations qui vont se répéter parmi plusieurs patients. Ça, c'est ce qu'on peut faire quand on a notamment des données d'enquête, où on a la puissance du nombre potentiellement qui peut nous amener à révéler des situations qui sont partagées par un certain nombre de familles. On va pouvoir aller chercher, nous, en tant qu'économistes, par exemple, un certain nombre d'éléments qui font référence à ce qui se passe dans la sphère domestique, par exemple. Et ce qui se passe dans la sphère domestique, effectivement, n'est pas visible comme ce qui se passe dans la sphère marchande, mais je pense à des études que l'on a qui s'intéressent notamment à tout ce qui est aide informelle apportée aux enfants atteints d'une maladie rare, par exemple. Et finalement, si je ne vais pas chercher la donnée, je ne sais pas ce qui se passe dans la sphère domestique, mais j'ai besoin de pouvoir faire émerger cette production informelle apportée par les parents notamment, qui sont des proches aidants et qui vont apporter du soin à l'enfant, qui vont effectuer des trajets, qui vont effectuer de la coordination administrative et médicale. Grâce à la donnée, je peux le faire. Un autre élément important, c'est qu'aujourd'hui, on a une multitude de sources de données et on aurait envie de pouvoir combiner des données qui viennent de différentes sources ensemble. Un petit peu à l'instar de ce qui se fait avec les biobanques. L'idée qu'on a besoin de pouvoir avoir toute cette information sur les données génétiques, c'est vrai que nous aussi, en SHS, on aurait besoin de pouvoir raccrocher un certain nombre de données comme ça. Alors, ça donne à la donnée un statut particulier. Peut-être, notamment, ça serait plutôt ce qu'on appellerait en économie un bien tutélaire, c'est-à-dire qu'effectivement, un bien dont la production et la consommation devraient être encouragées par l'État, notamment sous certaines conditions, bien entendu, garantissant des minima ou plutôt des maxima de sécurité, d'anonymat, etc. Alors l'économie de la santé, c'est un champ à part entière de l'économie et c'est une discipline qui s'est développée plutôt récemment, à partir des années 1960. Alors, du coup, cette discipline, elle est ancrée dans la science économique, c'est-à-dire qu'on va mobiliser les théories et les outils de la discipline, mais on va l'appliquer au champ particulier qu'est la santé. Et il y a autant de façons de faire de l'économie de la santé ou de métiers d'économiste de la santé qu'il y a d'institutions où on peut exercer, j'ai envie de dire. C'est différent si effectivement je suis chercheur académique au sein d'une université ou bien si je travaille par exemple dans un centre d'investigation clinique, dans un hôpital, dans une ARS, dans un établissement de santé, dans l'industrie pharmaceutique. Concrètement, pour ce qui me concerne, c'est vrai que ma façon de faire de la recherche, elle a toujours été ancrée dans le terrain. Cet ancrage dans le terrain, il est vraiment significatif puisque on a des échanges en fait avec les généticiens, avec les professionnels de santé et que c'est en discutant qu'on fait émerger finalement des questions de recherche. Alors c'est vrai que ces échanges, pour nous, ils sont essentiels pour approcher plus spécifiquement et plus finement certaines problématiques et puis initier des questions de recherche. Au-delà du fait que ça ait un sens académique pour nous, il faut aussi que ça ait un sens pour les patients, pour leur famille, pour les professionnels et puis de façon indirecte peut-être pour la collectivité dans son ensemble et le décideur public.
On peut distinguer plusieurs coûts en fonction du point de vue. Déjà, est-ce qu'on parle d'un coût pour le patient, pour sa famille? Est-ce qu'on parle d'un coût du point de vue de l'hôpital, par exemple, ou du point de vue de l'assurance maladie ou de la société dans son ensemble? Et puis, dans les coûts que l'on peut associer aux maladies rares, on va avoir effectivement des coûts qu'on appelle des coûts médicaux qui vont être directs. C'est le coût des hospitalisations, par exemple, des tests, des dispositifs, des coûts qui sont non médicaux, c'est le transport par exemple, et puis un ensemble d'autres coûts qui sont des coûts indirects qui eux vont être par exemple une prise en charge professionnelle, l'aide apportée effectivement par les proches aidants ou encore la perte de productivité si je suis obligée effectivement de prendre un arrêt de travail, etc. pour m'occuper de mon proche. Et puis il y a une autre catégorie de coûts qui est aujourd'hui plus difficile à mesurer, ce sont les coûts intangibles, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la perte de qualité de vie, à la souffrance ressentie et associée à la maladie. Vu l'hétérogénéité des maladies rares, eh bien, souvent on a des approches plutôt syndromiques pour pouvoir estimer le coût de ces maladies et on ne va pas pouvoir parler nécessairement d'un coût des maladies rares dans leur ensemble. Je vous propose de vous donner quelques chiffres. Donc, on trouve peu d'informations sur les ventes de médicaments orphelins, mais dans son dernier rapport de 2020, le CEPS nous donne le chiffre de 2,1 milliards d'euros. Ça représente la vente de médicaments orphelins pour 2020, tout circuit confondu, et ça représente une augmentation d'environ 3,2% par rapport à l'année précédente. Alors, parce qu'il y a eu de nouveaux médicaments orphelins mis sur le marché et une croissance des ventes pour certains autres. Tout cela mis en comparaison des dépenses de médicaments dits en ambulatoire en France, ça représente 6,95% de la dépense de médicaments selon le dernier rapport de l'ADRES. Et ça, dans les dépenses de santé, ça représente en fait à peu près 1% de la dépense en 2020. Donc en étant chercheur académique, j'ai la chance effectivement de pouvoir développer mes propres recherches sur les sujets de mon choix. Et étant intégrée dans la Fédération Hospitalo-Universitaire Translad, dans le champ des maladies rares, eh bien j'ai pu orienter certaines thématiques de mes recherches sur des situations vécues par les familles au quotidien. Et notamment au travers d'un projet où on va s'intéresser à tout ce qui est aide informelle apportée par les parents aidants auprès de leur enfant en situation de maladie rare. C'est une recherche pour laquelle on a un petit consortium autour de nous avec deux filières nationales maladies rares, la filière handirare et puis la filière déficience, une équipe relais handicap rare, l'équipe relais handicap rare Nord-Est, antenne Bourgogne-Franche-Comté, et deux associations, l'UNAPI et le réseau Énorme. On a aussi décidé de faire une recherche pluridisciplinaire qui associe effectivement des économistes et des sociologues. Alors, comment est-ce que concrètement on a fait sur ce projet? Eh bien, dès le début, en fait, on a commencé à travailler finalement ensemble pour monter le projet. On a vraiment essayé effectivement de positionner les questionnements au plus proche du terrain, mais en les ancrant dans nos disciplines, l'économie et la sociologie. Et vraiment, au quotidien, en prenant un fonctionnement qui associe vraiment les filières, l'équipe relais handicap rare et les associations. Pour nous, c'était important. Et en fait, on a monté un groupe de travail qui se réunit sur des séances plutôt longues pour discuter du contenu, finalement, des études que l'on met en place. Et on co-construit les outils ensemble, on regarde les résultats ensemble, eh bien pour essayer, effectivement, d'avoir cette pluralité des regards, finalement, qui font la richesse de ce projet. Et d'être au plus près de ce qui peut concerner les patients, de ce qui peut aussi orienter peut-être le décideur public dans certaines de ces décisions.